un repère orthonormé dont on peut modifier les longueurs unités en utilisant ce bouton marqué échelle. D'autre part, trois nombres ABC sont donnés. Ici, A égale 2, B égale moins 1, C égale 3, auxquels correspond cette équation 2x moins y plus 3 égale 0. C'est l'équation cartésienne de la droite qui est tracée. Un point M de cette droite a des coordonnées qui vérifient cette équation. Et si cette équation est vérifiée, alors elle correspond à un point de cette droite. La droite est l'ensemble des points tels que 2x moins y plus 3 égale 0. On déplace M dans la région bleue. M apparaît en bleu. Et ces coordonnées vérifient 2x moins y plus 3 inférieur strictement à 0. Le demi-plan bleu, l'ensemble des points bleus, et le demi-plan d'inéquation 2x moins y plus 3 inférieur strictement à 0. De l'autre côté, demi-plan rouge de la même façon. C'est l'ensemble des points tels que 2x moins y plus 3 est strictement positif. Alors on utilise ici des demi-plans ouverts, c'est-à-dire que la frontière qui est la droite n'y est pas incluse. On peut modifier bien sûr les coefficients ABC. En cas particulier, B égale 0. L'équation de la droite est ici x égale moins 3. Et les demi-plans bleu et rouge apparaissent de la même façon. Ici en rouge, x est supérieur à moins 3. Sur la droite, x égale 3, x égale moins 3 plutôt, et dans le demi-plan bleu, x est inférieur à moins 3 strictement. Autre modification de A, un cas particulier. On voit ici la droite d'équation y égale 1. C'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et ce qui a été dit pour les demi-plans rouge et bleu reste valable. On passe au A négatif. Voilà par exemple, pour simplifier, on va prendre ici moins x plus y moins 1 égale 0. Pour remarquer que cette équation cartésienne peut s'écrire y égale x plus 1. La droite apparaît alors comme la représentation graphique de la fonction affine connue au collège qui envoie x sur y égale x plus 1. Autres exemples 2. Alors le seul changement est que on a pris en rouge la droite. Autrement dit, le demi-plan rouge est fermé. Ça veut dire que la frontière qu'est la droite rouge y est incluse. Alors, même remarque, le demi-plan bleu dans lequel se promène actuellement le point M
est le demi-plan d'une équation 2x moins y plus 3 strictement négatif. C'est un demi-plan ouvert. Et le demi-plan rouge, le point M est dans le rouge sur la droite. Le demi-plan rouge est le demi-plan d'une équation 2x moins y plus 3 supérieur ou égal à 0. Le vidéo en question provient d'un programme interactif en Flash qui est toujours accessible en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.